Du coup, Wedge s'approche de toi et dit sympa la carabine. Vous avez de quoi tirer au moins avec ça? Non, il sait pas tirer, je confirme. Non, s'il me reste des balles, enfin, mais non. N'écoutez pas mon camarade, il me reste... Il me reste pas grand-chose, mais il me reste un petit peu. Ah, pas grand-chose. Et on va s'attaquer à une bande armée. Oui, ben, on comptait aller faire un petit tour... À la NFA. À la NFA, oui, NFA. À chaque fois, je vais dire NRA, mais... Et Joe, il dit pas trop de munitions, mais beaucoup de confiance. C'est un excellent slogan. Bah, quand il s'agit de Danny, en fait, c'est plutôt l'inverse. Tu vois, on a pas beaucoup confiance en lui, mais. Mais par contre, il a beaucoup trop de munitions. Ouais, non, c'est très simple. Au goût des autres, il a beaucoup trop de munitions. Quand t'es sur le point de te battre, tu dis attention, Alan là-bas. Et puis tu pointes dans la direction des ennemis et boum. Wedge, nous avons une technique infaillible pour réussir la mission. Elle consiste avec nos différents partenaires. Donc, Joey a une fronde sur laquelle est dessinée la tête. Il la lance sur les soldats et Danny, lui, il tire sur les soldats parce que c'est la seule façon qu'on puisse toucher les soldats sinon tout... ça marche pas. Non, mais on passe à la NFA, il y a ce qu'il faut en munitions, non? Il y en a deux qui se battent au point, moi j'ai une fronde et... Plus on a un striker. Non, mais en plus c'est pas vrai, on a eu des upgrades, moi j'ai un 9mm maintenant, donc on va se calmer. C'est super rassurant. Du coup, ouais, tu se mets à pleurer. Le gosse a un 9mm, c'est... Je n'hésiterais pas à m'en servir. Bienvenue dans les cartels cubains. Bienvenue dans le Far West. Nous, on est adeptes des enfants soldats, hein, ça nous fait pas peur. Bien sûr. Donc, en fait, donc il vous regarde et puis il vous regarde un à un comme ça et puis il vous dit mais bon écoutez, ce qu'on va faire, c'est que là je vois que vous êtes depuis tout à l'heure, vous êtes en train de gratter des trucs là. Il appelle, donc il se tourne, Biggs, viens voir. Donc, t'as Biggs. Hop. Qui se déplace, tac, et puis donc il lui dit écoute, plutôt que de glander là, tu vas aller chercher des munitions pour les soldats là. Alors il se retourne vers vous, de quoi vous avez besoin en munitions? Il faut de la pointe. La pointe 308. Donc merde, il se tourne vers Biggs, tu notes, donc Biggs il note du 308. Moi c'est calibre 12. Moi, je suis pas contre deux chargeurs de 9mm et disons 6 cartouches de fusil de chasse. Il rigole, on t'a demandé le type de munitions que tu voulais, pas la quantité. et du carburant. Ouais, et puis du carburant aussi, ouais. Ça serait bien. Alors Wedge, quand il entend du carburant, tu sais déjà, Wedge, il lève un sourcil, tu vois. Et il dit bon, c'est un peu compliqué à trouver le carburant, je vais voir ce que je peux faire, mais je promets rien. Rappelle-moi une bière. Et donc là, Biggs recharge son fusil d'assaut. Ah mais je pense à quelque chose, est-ce que je peux faire un jet d'investigation sur toutes les bagnoles pour essayer de trouver du carburant? Ah oui, bien sûr, ouais. Alors après, Wedge, avant que tu ou partes de chance, ça, je sais pas, mais... Wedge, avant que tu partes faire ça, il te dit, non mais attendez, finissez un peu votre liste de courses, là, et puis on... Okay, je t'ai dit, moi, c'est du calibre 12. Ok, pas de soucis. Donc vous êtes sûr, vous avez besoin que de ça, c'est bon? En termes de munitions? J'ai besoin d'un fusil. 9mm, fusil à pompe. c'est pas des munitions, il a besoin de l'arme qui va avec. Non, mais alors... J'ai un fusil à canon 5,56 s'il vous plaît. Mais ouais, dans le bureau du patron, dans le bureau des patrons, j'ai vu une Gatling. Ah, okay. Mais j'ai un fusil à canon scié qui est dans mon robot. Donc et effectivement, du coup, je peux m'en servir. Il y a un minigun dans le bureau du chef, mais on peut pas y toucher. Ah, ça aurait été du plus bel effet sur notre super mutant. Mais enfin, tant pis. Mais moi, il me faut des cellules à énergie avec les coups de poing énergétiques qui vont avec. Carrément. L'armure full assistée. Je veux bien un bâton de dynamite aussi. La T60. C'est ça, spécial. Et attends, et donc là, il entend ça, Wedge, il se tourne vers toi et dit de la dynamite.
Ouais, j'ai appris à m'en servir il y a peu et c'est sympa. Ouais, vite fait. C'est comme les pétards, mais en mieux. Stryker, il veut bien des explosifs aussi. Stryker, il aime bien les explosifs. Des grenades, ce serait bien. Une grenade fumigène. Fumigène. Alors du coup, ouais, j'ai... Dans quoi tu t'es lancé alors? Non mais du coup, Biggs, je vous dis, Biggs, depuis tout à l'heure, il note tout. Il note tout ça. Il prend note. Hein. Après, vous savez pas ce qu'il va voir. J'ai des queues de rat scorpion, ça fait des dégâts si on les jette sur les ennemis. Non. Ça les empoisonne. Merde. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans mon inventaire. Ok, donc... C'était pour vendre au médecin. Biggs, vas-y, va voir ce que tu peux faire au QG et reviens vite. Et si tu veux une arme, par contre, Doc, j'ai un vieux fusil de fortune. Ah, donne-le à Danny pour qu'il le répare. Non, mais il fonctionne. Hein. Donc, Biggs est parti chercher des munitions. Vous savez pas trop ce qu'il va vous ramener, mais il est parti chercher ça rapidement. Je prends le fusil. Hein. Moi, je fais un jet de chance. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, je te laisse faire un jet de chance. Ok. C'est quoi comme calibre ton fusil là? C'est du 308. 308. .308. Oh non mais c'est... Oh non, mais... Ah c'est Dany... Ah ok, je croyais que c'était joué, j'allais dire non, pas encore un 20 sur la chance quoi. Ok, donc... Chercher de l'essence pour le gamin. Donc, ouais, donc c'est toujours pour moi au final. Donc les... Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Les bagnoles sont pleines de carburant. Elles sont pleines à la gueule. Tu arrives à siphonner avec un tuyau qui traîne. Toi, t'en avais pas spécialement nécessité. Tiens, gamin, viens me tenir le tuyau pendant que je fais le plein de ton robot, sans mauvais jeu de mots. C'est ce que j'allais dire. Ne pas sortir cette phrase du contexte. Donc... Et donc, du coup, combien ouais, j'arrive à lui pomper de... C'est ce que j'allais dire. Stryker, est-ce que t'as des munitions pour ce... C'est un critique, donc tu arrives à trouver 100 de carburant. J'en ai commandé, donc oui, j'en ai... Okay, il m'en reste deux, en fait, il me reste deux chargeurs de... Mais 100 de carburant, c'est pas un peu lourd, non? Non, c'est pas des chargeurs pour le fusil, c'est un fusil à levier, je crois. Le robot, il peut cramer rapidement, enfin, il peut cramer 20 par 20, hein, le fuel. Donc, il est full. Great. Wow. Parfait. Et qu'on vienne me dire que je sers à rien. Bon, allez. Merci, Danny. Wedge, j'aurais une question. Oui, bien sûr. Est-ce que vous connaissez bien le maire de la ville? Oui, je le connais, ouais. Enfin, je le connais pas personnellement, mais quand je parle de connaître, est-ce que vous connaissez un peu ses habitudes? Est-ce qu'il est accompagné de gardes du corps? Ou est-ce qu'il est bien armé? Est-ce qu'il a une milice qui s'occupe de sa protection, ce genre de choses? Alors oui, tout à fait, oui. Il a des hommes de main partout en ville. Et chez lui, enfin dans la mairie, effectivement, c'est il a des soldats partout, hein, c'est un peu compliqué. Je connais aussi, et je sais qu'il a une secrétaire, je me rappelle plus, une espèce d'assistante, là, je me rappelle plus son nom, mais il a une secrétaire qui est plutôt sympa pourtant, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi elle bosse avec lui. Crache où la secrétaire? Eh ben avec le maire, pardi. Eh merde. Est-ce que la milice qui s'occupe, est-ce qu'il y a un chef de cette milice? Ou il y a quelqu'un qui chapote Non, pas à ma connaissance. Je crois que c'est le maire qui chapote tout ça directement, mais j'en suis pas vraiment sûr. D'accord. Et ils sont combien ça représente quoi la quantité d'hommes qui pourraient protéger le maire? Je sais que dans la mairie, déjà nous, on a accès qu'au rez-de-chaussée. Personne d'autre n'a accès au premier étage de la mairie. Déjà dans le rez-de-chaussée, il y a beaucoup de monde. Et dans les rues, il y a beaucoup de monde. Je peux pas vous dire, je sais pas combien beaucoup ça fait. Monde, ça peut pas... Je sais pas, je peux. Déjà dans le rez-de-chaussée de la mairie, ils doivent être au moins une dizaine, et au premier étage, je sais pas combien ils sont. On n'a jamais pu y accéder. Est-ce que donc là il y a donc le maire participe à la distribution de
de la drogue. Est-ce qu'il y a vous un en êtes sûr où... Moi, on a des soupçons, oui, effectivement. Mmh. Là. On a des soupçons plus que lourds, oui. Plus que lourds. Et non, tout ce qu'on ne sait pas, c'est où il stocke. Parce qu'il y a bien un moment où il doit stocker sa drogue pour pouvoir la distribuer massivement. On a regardé dans ses poches. Vous avez une idée à peu près de, d'un endroit probable où, où était stockée cette, cette marchandise? Eh ben, s'il y a un endroit où il peut le planquer puisque personne n'y a accès, c'est sans doute le premier étage. Ouais, mais non, il y a trop de monde là-dedans. Ben, directement dans la mairie, ce serait bizarre, non? Oui, je peux m'infiltrer. Mais après, comme il vous répond, il dit, mais après, je, c'est que des, c'est que du, des suspicions, je peux pas vous dire. Déjà, je sais même pas s'il stocke de la drogue chez lui. Ça se trouve, il en planque ailleurs, ça se trouve, il en planque dans des baraques, ça se trouve, il en planque dans les champs, ça se trouve, là, chez vous, je veux pas vous insulter. Il y a de la drogue. Monsieur Dany, mais ça se trouve, il en planque dans vos bagnoles, je peux pas vous dire, moi. On va se calmer. Hein. Et là, tu vois Dany en sueur. Non. Tu sais, qui appuie nerveusement sur le coffre de la bagnole derrière lui pour le refermer. Non. Y'a rien ici. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Partez, monsieur, partez. À part des plantes exotiques qui poussent ici, mais bon. Vous n'avez pas de mandat. Donc non, il te dit, bah, par contre, il y a une chose dont j'ai entendu parler, c'est que le maire, il a un fils. Il a un fils, et son fils, il traînait un peu à droite à gauche dans les rues, c'était un gamin plutôt cool. Et ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu traîner en ville. Ah. Et le maire, il sort jamais de sa mairie. Si, il sort, si, on le voit de temps en temps, mais après, bon, bah, c'est. Voilà, il se balade toujours avec ses gorilles, ils sont. Parce enfin, qu'on. Voilà. On pourrait se mettre en planque sur un toit et lui faire une JFK, quoi. Ça paraît jouable, mais sur des suspicions, je sais pas si ça sera très bien vu, et puis derrière, en achever un d'en haut d'un toit, c'est bien, mais derrière, il va falloir courir, les gars. Ouais. C'est pas faux. Non. Je sais pas. Oh, tu sais, on a une chair à canot à sacrifier. Hein. on pourrait mettre ça sur le dos d'un des junkies du coin. Après, là, tout de suite, il y a rien qui nous empêche de faire un saut à la mairie. Ça, on peut toujours accéder au rez-de-chaussée. Ça, il y a pas de souci. Et je crois que c'est son assistante qui gère entre guillemets l'accueil et qui vire ceux qui ont rien. Globalement, on va se pointer là-bas. Ils vont nous dire. Oui, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? On vous suspecte de vendre de la drogue. Oui, allez vous faire foutre. Et justement, ouais. Si on les accuse pas, si on les caresse dans le sens du poil, peut-être qu'ils pourraient nous parler d'autre chose, enfin nous amener à cette conversation sans que ce soit nous qui le mettions sur le tableau, je sais pas. Je pense que notre affiliation à la LFA est peut-être parvenue à leurs oreilles. C'est difficile de les bluffer. Mais moi, je suis pas de la LFA. Oui, bien sûr, tu es l'intermédiaire parfait. Et j'ai des bonnes compétences dans le commerce, peut-être que je pourrais les faire valoir auprès du maire. Le trader. Vous voyez Biggs qui revient tout doucement. En revanche, avec une brouette. Moi, je serais pas contre d'envoyer Joey en mission d'infiltration. Moi, je suis pas contre de vendre du jet. On peut s'infiltrer, on passera inaperçu, moi et Joey. Non, Stryker, il prend Joey dans ses bras et puis il le jette sur le toit de la mairie. Et puis après, au premier étage! Et oui, voilà, et comme ça on découvre. Qu'est-ce que t'en penses, Joey? Tu sais, au lieu de dire grenade, tu gueules Joey. Joey! Sauf qu'il fait pas boum à l'atterrissage, il fait pfff. Non. Bon, très bien, on peut essayer déjà d'aller prendre la température comme ça, mais s'ils sont une dizaine en bas, on est à temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est 7. Ouais, 7 contre 10. C'est prenable. Après, voilà. Ouais, mais c'est... nous, on a un striker. De toute façon, ils vont pas nous descendre dans la mairie. C'est pas le genre du local.
Ouais. Puisqu'en plus, on fait partie de la NFA. Donc, ils savent qu'il y aurait des représailles à nous abattre comme ça en plein jour, en plein public. On a quand même un certain. D'accord, on a quand même un certain statut, on a quand même un certain levier, je veux dire. Ils ont une certaine pression. Très bien, ouais. Parfait. Oui, parce que le maire Trent sait ce que représente le poids de la NFA. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas bien joie, d'ailleurs, que ce soit venu s'installer par ici. Parce qu'il sait que là, c'est une petite escouade, mais que derrière, il y a quand même quelque chose d'assez gros. De plus gros que ça. Très bien, parfait. Hop, donc Biggs s'approche. Ok, super mutant, vous avez bien de quoi déjà? J'ai oublié. Dynamite et point 308. Ok. Alors, il te sort. Je pense qu'on a un petit papier sur lequel on lui a écrit point 308. Genre, il le sort de sa poche à chaque fois pour regarder. Alors, ça c'est du. Ça c'est peut-être. Allez, je veux du comme ça. C'est ça. La balle bleue. Moi je veux ça. Alan, tu en voulais aussi du 308? Bah, il m'a donné un fusil avec du point 308. Oui, c'est du 308 aussi, donc du coup, c'est pour ça que je vais peut-être lui laisser les deux chargeurs si. Ouais, si ok. Que ça. Donc, oui, il n'y a que deux chargeurs par contre, ouais. Voilà. Deux chargeurs. Et on sait donc, pas combien de balles dedans. Hein. Que moi, j'ai déjà pas mal de balles. On sait pas le nombre de balles dans le chargeur. Si, 5 du coup. Parce que c'est ton fusil de chasse, c'est ça? C'est. Là, je vais filer le fusil de fortune. Ah oui, ok. Lui, c'est au nombre de balles, c'est pas au nombre de chargeurs. Ok. Que c'est du coup par coup sur celui-là. Oui, exact. Donc au final, ça te fait balles, ça te fait 10 balles, ouais. Hop, du coup, Striker, il te file une dynamite. Yes. Est-ce qu'il y avait des grenades de fumigène? J'ai pas eu le droit à ça, les gars. Oh. J'en ai, mais j'ai pas eu le droit. Le chef m'a fait la commission, en gros, il faudrait payer, quoi. Là, c'est vraiment c'est du surplus qu'on a. Ok. Il vient vers toi, Danny. Il a des calibres 12. Rappelle-moi le chargeur. C'est pareil, c'est 5. Du 5, non? Ouais, donc ouais. C'est pareil. Il t'a ramené deux chargeurs de 5. Parfait. Et avec bon ça, Dieu. Il a ramené 3 chargeurs de 9 mm et 2 chargeurs de 10 mm. Les chargeurs de 9 et 10 mm, c'est assez courant, hein, donc... voilà, il en a ramené 3 et 2. Moi j'ai du 9 mm et du 10 mm. Ok. Et il se tourne vers le gamin parce que avant de te filer tout ça, il se tourne vers le gamin et il dit t'as un flingue petit? Ouais, 9 mm. Je sais pas la capacité du chargeur. Donc il te balance un chargeur et il donne tout le reste à Alan. T'as un flingue, ouais, regarde, il le pointe vers lui. Et tourne ça par là-bas. Il y a deux chargeurs 9 mm, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ok, donc Biggs il recule un petit peu. Et il se tourne vers Wedge, il dit tiens, prends ça. Et il lui file, vous voyez qu'il lui file deux grenades à fragmentation. Et un chargeur en plus que sur son. Moi, je suis très bien. Joey, il a pas eu de dynamite. En fait, du coup, avec le test que Danny vient de faire, on a abattu. Ouais, Danny visait la voiture. Non, mais Joey, il est deck de pas avoir eu sa dynamite et il regarde d'un œil très désireux la grenade. C'est pas impossible qu'il y ait du pickpocketage, quoi. Ça se tente. Tu veux, je t'enfilerai un de bâton dynamique. Bon, s'il fait pshhh et que je te lance en même temps, t'étonnes pas. Tiens, c'est cadeau. Normal. Ok, donc Biggs, Biggs une fois qu'il vous a donné tout ça, il vous dit alors, vous avez décidé quoi? On va tout péter. On va aller déjà discuter un petit peu avec notre ami le maire. Enfin, après, je sais pas vraiment quelle information on sortir d'une confrontation comme ça direct. Bah, bonjour, c'est toi qui vends de la drogue? Ah oui, merde. Je suis un petit peu sceptique, mais. Joey va vous laisser seul. Il va vous laisser avec le TX. Et puis, comme ça, si jamais ça n'aboutit pas, j'essaierai de me vendre mes services de dealer. Personnellement. Qu'on est un petit peu étiqueté NFA, je laisserais plutôt jouer d'y aller tout seul
dans un premier temps, et dans un deuxième temps, je propose toujours mon plan d'infiltration au premier étage, jouer tout seul aussi. C'est lui qui est le plus apte à faire ce genre de mission. On n'avait rien prévu avant de partir de la... De non, la c'était prévu qu'on aille attaquer, qu'on aille attaquer le fort de Trent. Ouais, oui, c'était attaqué, on passe à la mairie. Non, de Mike. Ouais, mais que la mairie. C'est qu'on aille à la mairie. Non, mais la mairie, c'est plus safe. La mairie, c'est plus facile, quoi. Cool, apparemment, la mairie. La mairie, en fait, Biggs et Wedge, ils sont d'accord pour dire que là, de suite, effectivement, il n'y a pas grand risque à aller à la mairie. C'est pas... voilà. Ça craint pas. Mais est-ce qu'il y a une utilité à faire à aller à la mairie, que c'est... Ça va pas juste nous faire perdre. Ça, Biggs et Wedge, ils répondent pas, ils savent pas. Enfin, eux, y a pas pour eux, il n'y a pas d'urgence à faire quoi que ce soit. Ce que je propose, les gars, c'est j'ai une proposition. À moins que vous n'êtes pas d'accord, faut le dire. Non, mais de ta proposition, toi, ce serait de faire quoi? Envoyer Joey. Ouais, pas de problème. C'est quoi ton idée? Tu veux qu'on aille boire une bière, c'est ça? D'envoyer Joey en solo, parce que nous, on est de toute façon, on est cramé, on est étiqueté NFA. D'envoyer Joey en solo, qui essaie de négocier en tant que dealer, et dans un deuxième temps, de l'envoyer faire une mission d'infiltration au premier étage. Ou sinon, nous, on discute avec eux et lui, pendant ce temps, s'infiltre pendant qu'on les distrait. Ouais, moi, je veux bien faire ça. Et puis, si jamais je suis pris, je dis que je voulais juste travailler, quoi. Ouais, et puis surtout, tu seras pas associé avec nous. Nous, on te connaît pas. Toi, tu te fais abattre. On récupère le TX. Tout le monde est gagné. Ah, bah voilà, un plan. Voilà. Je l'avais pas vu comme ça, mais... Un plan gagnant-gagnant, hey, très bien. Non, mais... bon, c'est adopté, c'est voté, c'est bon, c'est accepté, là. Donc, on balance Joey quand? Quand est-ce qu'on le balance derrière les lignes ennemies? J'ai entendu qu'il allait mourir, moi. Non, blague à part, non, bah comme vous le souhaitez. Comme vous voulez, hein. Moi, je vous proposais deux affaires. Donc... Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je pense que aller là-bas, les distraire et laisser le gosse s'infiltrer derrière, c'est pas une mauvaise chose. Ouais. Je pense. Je sais pas. Striker, t'es prêt à faire le show? Yeah. C'est pas ce qu'il faut que je fasse, mais oui. Striker, il est toujours prêt. Donc, toujours chaud. Donc, Biggs et Wedge, ils vous disent, ok, pas de soucis. De toute façon, à la mairie, je pense qu'il y aura pas de réel problème. Avant ça, est-ce qu'on pourrait passer à l'auberge? J'aurais 2-3 accessoires à récupérer là-bas avant d'aller à la mairie. Est-ce que c'est possible? Après, Biggs et Wedge, ils te disent faites ce que vous voulez, les gars. Ok. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous à l'auberge, tout le monde? Oui, très bien. J'ai une petite idée en tête. Oui, je crois sentir ça. Ok, donc vous retournez à l'auberge? À l'auberge, apparemment, oui. D'accord, ok, mais pas de soucis. Enfin, je sais pas, sauf si y en a qui veulent ne pas aller à l'auberge. Hein. Non, oui, j'ai pas de raison de dire non. Ok. T'aurais bien sûr une épée de guitare. Hein. Du coup, ce que je fais, oui. C'est que moi j'y aille en canon premier. Dans le jeu, il y en a dans Fallout, de toute façon. Je vais y aller en premier et je demanderai une audience avec le maire directement. Avec toutes les burnes de Joey telles qu'il s'est les montré. Ah, tu veux faire comme ça? Ouais. D'accord, ok. Et si je me fais recal, je trouverai une excuse et puis après vous ferez votre blabla. Mais en tout cas, ça me montrera que je suis pas avec vous et puis ensuite je tenterai de m'infiltrer. Pete, on est de retour. Les gars, vous vous ennuyez déjà de moi? Bah oui, effectivement. Par contre, dans ta shop, l'alcool qui sent le plus fort, qui sent vraiment, qui pas le goût, mais qui a une odeur très forte, mm-hmm. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as comme alcool qui sent fort? Alors, je distille du... En fait, je mets des morceaux de rat scorpion. Et je fais fermenter ça et je le distille. Par contre, ça décape, hein, je préfère te le dire. Oh, c'est pas grave. Tu dois mes chiottes avec. Tu peux prendre une grande quantité de ça, hein, à peu près un seau.
Un saut de faire avec un saut de ce truc. Vous allez voir, vous allez voir. Pas un saut de gnôle, s'il te plaît, pardon. Alors, il a un peu halluciné, mais attends, mais bouge pas, je reviens. Et donc il va dans son arrière-boutique au fond là-bas. Là. Et donc. Danny, est-ce que tu peux te mettre à côté de Striker, s'il te plaît? C'est très bien. Jacques a dit très bien. Pendant ce temps-là, j'organise mon inventaire avec le robot. Pour me mettre en mode infiltration et pas avoir de trucs compromettants sur moi. Non, cette BD n'est pas à moi. Ce magazine, non. C'est mon robot qui les lit. Et du coup, tu veux faire quoi avec ton saut de rat de scorpion là? Oh, bah laisse la surprise jusqu'au bout là. Faire quoi avec ton saut de pisse? Bon, bah je te dois combien Donc il te file ça et puis il te dit bah écoute, 50 capsules par contre, parce que c'est, okay. C'est pas donné. Oh. 50 capsules, donc je te donne 50 capsules. Ok. Il négocie même pas quoi. Inventaire. Non, j'ai pas envie là. Rendez compte ce que je vais faire avec ça. Non. Il va se bouer la gueule juste avant de rentrer dans la mairie. Parce qu'en fait, il flippe grave. Je prends le saut. La vibration est parfaite. La technique de l'homme ivre. Je m'approche de Striker et puis de Danny avec le saut dans la main et je leur balance dessus. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais? Je suis très content de pas avoir été là. Voilà, je ramène le saut à Pete et je lui dis merci. On peut partir. Alors lui, il éclate de rire. Vous voyez Pete qui éclate de rire. Il dit oh le con. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà. Mais pourquoi Striker il est tout mouillé? Tu sens fort, ça c'est le but. La goule qui bu l'alcool, t'as trop bu. On peut y aller. Donc, effectivement. Donc, on peut aller à la mairie. C'est... Donc, effectivement. Je te garantis que la prochaine balle que tu prendras dans le cul, ce sera pas une erreur. À part ce que c'était déjà une erreur, t'es sûr? C'est très bien que la vraie menace vient de l'intérieur. Mais la foudre ne retombe jamais six fois au même endroit. Quand je pense que j'ai regretté de l'avoir blessé, tu parles. Maintenant, je regrette de l'avoir raté. La Winchester ne retombe pas six fois au même endroit. Attention. Du coup, je vous laisse le TX. Et puis, moi, j'y vais en solo en premier, c'est ça? Oui. Nani, tu pues l'alcool. Alors, attends. Tu m'as dit. Du coup, j'y vais sans caps. Juste avec. Et sans kit de réparation de robot. Et juste avec mes crochets et. Ma brochette de rat top et mon 9 mm. Et mon borsalino. Il a sur la brochette, fais gaffe. Hein. J'en ai besoin de ma brochette. Il va se poser devant et Tu y vas tout seul, c'est ça? Ouais, j'y vais en premier et je vais aller voir la secrétaire. Ouais. On se laisse combien de temps avant qu'on arrive là? Ah, après, ça, c'est à vous de voir ensemble. Oui. Ah, mais moi, de base, une fois que j'ai organisé mon truc et puis que vous vous engueuliez avec. Pour le saut de piste là, ben moi je pars déjà en premier en fait. Et puis je sais pas, vous partez 5 minutes après. Saut de piste. On va rentrer dans la mairie. Hein, mais bien sûr, je dis au TX de les suivre et de répondre à leurs ordres. Ah, alors attends, mettez-vous d'accord du coup, vous y allez tous ou Joey en premier? Parce que Joey en premier. Alan, apparemment Joey en premier. D'accord. Joey en premier. D'accord. Donc ils rentrent seuls. Vous restez devant. Ouais. Et ils ont le contrôle du TX en cas de besoin.